le projet a été réalisé par un financement public. Un financement public, donc l'autoroute Abidjan-Bassam part donc de Carrefour à Kouaba, que tout Abidjan ne connaît, et jusqu'à Bassam, au point, à Moussou. C'est le départ de l'autoroute du Sud-Est qui va donc d'Abidjan et qui doit arriver à Lagos. La suite du projet est programmée. Et donc, pendant la réalisation des travaux, l'apport du Bénin a été aussi d'une importance cruciale parce que c'est de nouveaux partenaires que nous connaissons pas très bien. Bon, c'est une entreprise chinoise qui n'a pas tout à fait les mêmes pratiques que nous, francophones. Bon, il a fallu qu'on s'impose parce que du point de vue de l'entreprise, étant une entreprise chinoise, elle voulait appliquer les normes chinoises. Donc il a fallu la forte personnalité du Bénét pour les amener à être beaucoup plus réaliste parce que l'ouvrage est construit en Côte d'Ivoire et non pas en Chine. De surcroît, c'est la Côte d'Ivoire qui rembourse le prêt au final. Donc on les a amenés donc à comprendre cela. Cela a été l'objet de beaucoup de discussions, beaucoup de palabres, mais disons que tout cela, c'est vraiment l'expérience du Bénin. Un cabinet jeune peut tomber dans le piège d'entreprises étrangères et qui vont avoir tendance à vouloir faire ce que elles ont l'habitude de faire ailleurs. Quand on construit un ouvrage dans un pays, c'est les normes du pays qu'on applique. Et nous, dans notre cas, lorsque nous n'avons pas les normes, c'est les normes européennes qu'on applique et non pas les normes chinoises ou autres.